Bonsoir et bienvenue chez Jazz Adam Studio. Ce soir, nous accueillons un trio un peu spécial. Il s'agit de trois frères et du swing. Notre invité chez Jazz Adam Studio est le trio Just for Swing. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu chez Jazz Adam Studio. Merci à vous. Tu es venu accompagné de tes deux frangins, vous êtes le groupe Just for Swing. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette formation musicale familiale? En effet, donc on est trois frangins, donc Guillaume, Benjamin et moi-même, Valentin. Et on nous appelle plus souvent les frères Bertrand. Mais en effet, le nom du groupe, c'est bien Just for Swing. Et donc on joue tous les trois ensemble depuis tout petit en fait dans notre garage chez les parents à des sons un peu plus électriques, on jouait du Red Hot, du Kyo, Nirvana, des choses un peu comme ça. Un peu éloigné du jazz manouche a priori. Ah oui, au complètement départ. Aux antipodes du jazz manouche. Ouais. Donc toi tu es à la guitare rythmique. Voilà, guitare rythmique. Enfin, ça s'est fait naturellement puisque Benjamin jouait déjà de la guitare, donc en fait j'ai pris la guitare rythmique. Voilà, donc lui il fait plutôt les solos. Voilà, plutôt les chorus.
Et puis Guillaume, au début, quand on s'est mis dans ce style-là, il faisait de la batterie à l'époque. D'accord. Donc il s'est dit, tiens, si j'ajoutais une percussion, mais un peu plus acoustique pour coller Ouais, à ça. ouais. Donc il s'est mis au Caron, cette fameuse petite boîte-là sur laquelle on s'assoit. Yes. Donc il a fait ça 6 mois, 1 an. Puis après, il s'est dit, moi, il faudrait que je fasse un instrument avec des notes quand même, quoi. Il s'est dit, bah, c'est quoi? Je dis, bah, de toute façon, la logique trio jazz manouche, c'est la contrebasse, quoi. Il faut essayer, quoi. Donc au début, il s'est dit, bon, bah, je vais louer une contrebasse, puis Ouais. on verra ce que ça dit, quoi. Et puis voilà, en 6 mois, c'était parti, puis la naissance du groupe était lancée, quoi. Ok, Donc ça, super. c'était dans les années 2009-2010, je dirais, ouais. Valentin, est-ce que tu peux nous présenter les morceaux que vous êtes venus, que vous venez interpréter ce soir? Ouais, alors du coup, on a décidé de faire que des compositions. Une du premier album, donc qui s'appelle Nuevo Comienzo, du premier album Primo, qui est ici, je peux le montrer Bien d'ailleurs. sûr, avec Toc. plaisir. Ça, c'est le premier. Ok. Donc ça, c'est 2014, donc Nuevo Comienzo. Après, un morceau du deuxième disque, qui est là, Charivari, et le morceau, c'est Che Colette, du coup, qu'on va interpréter. Ouais. Et puis enfin, un morceau qu'on n'a jamais enregistré, parce que du coup, il y a un futur album qu'on aimerait enregistrer qui n'est toujours pas fait. Génial. Mais il y a un morceau qui s'appelle Viennoiserie. Ça donne faim. Ça donne faim, Ouais. ouais, une petite valse. D'accord, que Voilà. vous avez composé encore une fois. Ça, c'est une de mes compositions. À Ouais. toi. Et le Che Colette, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'était Benjamin et moi aussi. D'accord. Voilà. Qui vous a amené du coup au jazz manouche? Et ben c'est venu vraiment plus tard parce Ouais. que quand on jouait petit dans le garage, on avait, je sais pas, moi j'avais 9-10 ans quoi, j'étais vraiment pas vieux. Et c'est venu plus tard, j'avais 17 ans à peu près. Et Guillaume était déjà très passionné de musique jazz actuelle, même très musique classique, tout ça. Donc il avait vraiment beaucoup de CD dans son bureau, dans sa chambre. D'accord. Puis moi un jour je suis venu fouiner, et justement je l'ai emmené et j'ai trouvé ça. Waouh, la relique. Ça, le volume 1 du jazz manouche, c'était des compiles à l'époque qui faisaient. D'accord. Ça date de 2005. Et je suis tombé là-dessus, je sais pas, j'étais intrigué par la pochette et je me suis dit, tiens, ça, je le prends. Et là, c'était vraiment le coup de foudre avec cette musique, quoi.
D'accord. Donc j'ai compris que c'était Django, voilà, qui était à la base de tout ça. Donc après, voilà, j'ai fait mes recherches, Django j'ai écouté Reinhardt, Django à fond. ouais, d'accord. Et après, il y a eu toute l'émulsion là, justement des années 2000 avec San Severino, Thomas Dutronc, Pierre-Yves Lagrène aussi en 2002 avec Jazz à Vienne. Ouais. Donc c'était vraiment l'euphorie avec ce style-là qui revenait vraiment au goût du jour. Birelli, qui était aussi un musicien dès le plus jeune âge. Ah, tout à fait, Ouais. ouais. Là, c'est vraiment virtuose dès la naissance, quoi. Une Ouais. guitare dans la main dès le début. Et, Ouais, c'est assez avec incroyable. l'apprentissage vraiment manouche, tradition orale, de repiquer visuellement, etc. Est-ce Et qu'on peut donc. dire que Birelli Lagrène a un petit peu influencé votre musique Ah, bah oui, tout à fait. Et je pense qu'il a influencé très largement toute la mouvance jazz manouche, enfin Ouais. vraiment. Comment faire pour vous suivre les Just for Swing et puis éventuellement assister à la naissance de ce futur album? Eh ben, c'est très simple, il y a le site internet www.justforswing.com Ok. et puis bien sûr tous les réseaux sociaux sur Facebook, il y a la page Just for Swing, sur Insta aussi. Vous avez une chaîne YouTube peut-être? Je sais Il y a pas. une chaîne YouTube ouais, qui n'est pas très développée, c'est pas là où on est le plus actif, mais en tout cas toutes les infos seront sur Facebook au moins, le site internet et Instagram. Ouais. Et en Parfait. tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur ces réseaux-là, on répondra avec plaisir. Ouais, vous êtes très réactifs, on le sait bien, les frères Bertrand. C'est marqué sur Facebook en moins d'une heure, Oh donc ouais, je crois voilà. bien. Valentin, merci beaucoup. Merci Merci à tes Mathilde. frères aussi d'être venus. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Alors ça vous a plu? On vous propose un nouveau concert la semaine prochaine, vendredi à 19h30. D'ici là, vous pouvez suivre notre actualité sur le site internet jazzadom.com et suivre cette émission sur notre page Facebook ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette émission vous a été proposée bénévolement en partenariat avec Le Crieur Productions. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir notre projet en faisant un don via notre site internet jazzadom.com. On vous espère nombreux la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée.